Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Après la Zoumida et le lavabo, voici le bide de l'été. Voulez-vous la recette pour faire un bide? Alors c'est très simple. Vous prenez une boucle que vous avez piquée dans un enregistrement de Michael ou de MC. Y a pas de raison de s'en priver. En Amérique, ils le font tous. Voilà, ça roule, c'est parti. Alors ensuite, vous rajoutez la basse. Une basse qui fait toujours la même chose, mais une basse au synthé. Comme ça, c'est pas cher, les producteurs sont contents et tout va bien. Allez. Alors ensuite, vous descendez à la cave et vous remontez votre vieil orcamon ou un farfisa tout pourri. Vous faites les trois accords de la bamba, do, fa, sol, et vous bougez plus. Rendez-vous à la fin. Voilà, c'est le bordel, ça swing comme un blocos. Alors maintenant, il faut trouver un gimmick bien ringard qui va faire chier tout le long de la chanson, à l'accordéon si possible. Voilà, vous secouez tout ça, il n'y a plus qu'à chanter. C'est ringard, c'est très mauvais. C'est le vide, c'est le vide. C'est nul, mais ça fait craquer. C'est le vide de l'été. C'est ringard, c'est très mauvais. C'est le vide, c'est le vide. C'est nul, mais ça fait craquer. C'est le vide de l'été. Ah ben voilà le piano qui arrive, on l'attendait pas celui-là. Bon, ben comme il est là, on le laisse, hein. Alors là, on va chercher un gimmick vocal pour faire chanter la foule, un peu comme dans What I Say, vous vous rappelez? Allez! Ça devient le beat d'une autre saison. C'est tout bon à foutre en l'air.